Je représente les consommateurs au sein du conseil d'administration. Je m'appelle Josiane André et aujourd'hui, je viens découvrir le beurre qu'on va commercialiser bientôt chez Ferbel. Et je suis vraiment super heureuse parce que c'est clair que c'était une demande des consommateurs. Les consommateurs me réclamaient « Quand allez-vous produire du beurre ?» C'est fait. Mais toute la difficulté, c'était aussi de le commercialiser parce qu'il faut que les enseignes acceptent de commercialiser le beurre, ce qui n'est pas facile du tout. Et on y est parvenu. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour tous les consommateurs. Et pour faire belle, bien sûr, parce que non seulement la vente va nous permettre à tous les agriculteurs d'offrir un revenu équitable à leur production, ce qui est une excellente chose. Also wir haben ja angefangen mit der halbvollen Milch, Vollmilch, Kakao und Käse. Und Butter ist ein Produkt, das sehr viel gebraucht wird. Das ist ein Basisprodukt und wir versprechen uns da, den Fragen der Verbraucher auch nachzukommen. Wij halen onze melk zelf op uiteindelijk, van A tot Z eigenlijk. Wij weten dus exact de kwaliteit van de melk, exact de kwaliteit van de room. En daarmee kunnen wij dus eigenlijk de pure boter maken. Wij doen geen toevoegingen. Het is een volledig natuurlijk proces uiteindelijk. We hebben ook een fijne selectie van melkzuurbacteriën. Dat zijn de bacteriën die de room aanzuren en aromatiseren. En dat alles bij elkaar maakt eigenlijk het unieke karakter van onze boter. Het is plezant om te zien dat de eigen melk hier verwerkt wordt in Vlaanderen in een product die een meerwaarde geeft voor de boer, waardoor iedere boer beter kan van worden. D'abord, je suis hyper content qu'on peut justement une fois travailler avec la Flandre. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un produit qui couvre toute la Belgique au niveau de Ferbel et on est très heureux de pouvoir travailler sous la fabrication d'un beurre hein, en partenariat avec Olympia. Et ça, je tiens vraiment à cœur de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison aussi avec des vaches qui vont à pâture et que c'est un produit qui est 100% belge. Also, das ist unser erstes flämisches Produkt. Bisher haben wir die Partnerschaft mit Luxley, mit Gilfi, Francorchamps, die das Eis produzieren, mit der Société Herf in Herf. Und wir hatten bisher noch kein flämisches Produkt. Wir wollen aber den Schwerpunkt darauf legen, dass das Projekt Ferbel, Verkoop, ein belgisches Projekt ist oder sogar europäisches Projekt. Und deswegen sind wir froh, hier in Flandern einen Verarbeitungsbetrieb gefunden zu haben, der für uns die Butter produziert. Olympia hat eigene Milchlieferanten, die in der Wallonie und in Flandern ansässig sind. Und von denen wird die Milch dann zu den Ferbel-Produkten weiterverarbeitet. Wel, in elk geval, wij zijn uiteindelijk, net zoals iedereen in de sector, streven wij naar een zo eerlijk mogelijke prijs voor de boter te hebben, een zo goed mogelijke valorisatie. En Ferbel is daar een onderdeel van. Dus de boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn melk, voor alle melk die hier verwerkt wordt in boter van Ferbel, krijgt de producent ongeveer 10 cent per liter extra die er geproduceerd wordt. Je crois que le consommateur serait enclin de pouvoir consommer encore un beurre justement où on voit encore le respect d'abord des fermes familiales, aussi avoir donc un beurre qui est connecté avec les vaches qui vont en prairie, donc qui est un peu basé aussi sur le non-intensif. Je crois que c'est la porte de sortie de demain aussi de pouvoir avoir un partenariat avec les consommateurs, de pouvoir définir aussi des super bons produits que nous on pourra mettre en place aussi dans la grande distribution, puisque c'est ce qu'on vise au niveau de Ferbel, c'est qu'on soit présent dans la grande distribution, puisque 80% des gens achètent au magasin. Also uns ist es wichtig, mit Ferbel Qualitätsprodukte auf den Markt zu bringen. Und deswegen sind wir auch heute hier. Heute ist die erste Produktion der Butter. Wir wollen uns auch vor Ort über die Produktion ein Bild machen und sehen, wie die produziert wird, wo das Ganze verpackt wird und auch mit den Bauern sprechen, die auch die Milch liefern. Also das, wir nehmen das schon sehr ernst und sind auch selber dahinter, das zu beobachten und die Produktionsweise zu hinterfragen.